Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Next, et vous êtes soit sur Encario, soit sur la chaîne YouTube de Gugus actuellement pour la vidéo de présentation. Et donc je vais d'abord, avant de présenter le Fallen Kingdom, présenter ceux qui sont là. Alors il y a Eishi, salut Eishi. Salut. Ouais bon, ça fait pas top. Salut Chini. Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un Fallen Kingdom. Ouais super, d'accord. Iron Wolf. Hello, c'est Iron Wolf et je crame des moutons, crevez bande d'enflures. Trop bien, trop bien. Il y a aussi... Attends, il y a qui d'autre? Parce qu'en fait, il est caché sur Skype. Il y a Sombre Lien, hein. Bonsoir à tous. Et il y a aussi Gugus le Fun, hein, vu que c'est sa chaîne, hein, faut bien qu'il parle. Dis un mot, s'il te plaît, par contre, hein, c'est juste pour la légitimité du truc. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Gugus le Fun et je suis ravi d'être, de participer à ce Final Kingdom. Donc, Final, August. Final, Fallen, ouais. Fallen Kingdom, en fait. Final Kingdom, avec l'accent. Non, Fallen Kingdom. Fallen, ah ouais, bah moi je dis Final. Je pense que ça va rester jusqu'à la fin de la saison. À la fin de la saison, je vous promets, mes amis, qu'il saura le dire. Alors, un Fallen Kingdom, qu'est-ce que c'est? Et actuellement, nous, on a fait un Fallen Kingdom, donc composé de trois équipes de deux. Moi-même avec Gugus, donc The Next avec Gugus. XXE7, c'est Aishi avec Iron Wolf. Ainsi que Sombre Lien et Ichini, qui Ichini et Tisanagi. Trois équipes de deux. Oui, d'accord. Chacun avec sa propre forteresse. Et donc, le principe est de choper la salle des coffres qui est cachée dans la forteresse ennemie. Donc pour ça, vous n'avez pas le droit de casser de blocs dans la forteresse ennemie, mis à part avec de la TNT. Pas le droit de construire en dehors, enfin de casser des blocs. Ça, je l'ai déjà dit. Ouais, ok, c'est pas grave, j'ai rien dit. Ouh, trop bien. Pas le droit d'enfermer l'autre. D'ailleurs, je vais rajouter une nouvelle règle parce que j'ai vu ça dans la saison 4 du Fallen Kingdom. Comment ça s'appelle le machin, la chose? En fait, j'ai vu que genre ils lançaient des Ender Pearls et ils allaient brûler l'objectif ennemi, tu vois. Ouais. Et bah là, en fait, faut pas le faire. J'interdis, tu vois, parce que je suis Dieu. non, c'est pas crédible. Et donc, quand on lance une, si on rentre dans la forteresse ennemie par une Ender Pearl, une Ender Pearl, il est interdit de brûler la forteresse. Donc, sauf si on rentre dans la forteresse avec de la TNT, manière normale et officielle, là, tu peux la brûler et t'amuser, faire ton pyromane comme tu veux, à la Bomb Lennon, mais sinon, tu peux pas. Voilà. Ok. Le but, c'est de s'amuser, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, il y a plusieurs règles qu'on se doit de respecter, mais, à passer inaperçu. Le plus important, c'est de s'amuser et de ne pas tricher pour, voilà. Donc, vous avez plus ou moins compris le principe, mes chers amis. Ah, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est limpide. Ouais. Non, mais j'aime bien ce que vous avez tous dit à 6, ouais, trop bien, ça marche. trop bien. Bon, bah, d'accord. En tout cas, cher abonné de Monsieur Gugus le Fun, alors je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer pour les vidéos. Chaque équipe filmera, donc, que ce soit du côté d'Ichini, d'Iron ou de Gugus. Pour ma part, moi je sais pas comment vous allez faire, vous de votre côté, mais Gugus va filmer à chaque fois. Et genre l'épisode 1 ça sera sur sa chaîne, le 2 sur la mienne, le 3 sur la sienne, etc. Donc vous pourriez faire pareil vous de votre côté, comme ça ça équilibre et tout, et ça les oblige à aller sur plein de trucs en même temps, comme ça ils galèrent un peu. Sinon c'est trop simple. Je fais ça avec plaisir. Ah, sinon oui bah oui, sinon c'est trop simple de regarder une vidéo. Mais bah voilà. Donc donnez-nous votre avis sur le fait qu'on va faire un Fallen Kingdom. Je vais lire un peu ce que va écrire Sombrelien. Vas-y Sombrelien, juste avant qu'on coupe. Non, ne fais pas cette connerie. Non, si ne fais pas. Non, droit. Non, Sombre. Non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Sombre a écrit sur Skype, est-ce que je peux cramer leur totem? Non, c'est notre totem. Non. Bon, bah, mes chers amis, vous voyez, hein, ça c'est de la frise. Rassurez-vous, on je gagnera. Vas-y. Voilà, j'éteins le feu. Merci. C'est pas grave, merci. Rassurez-vous, moi et Gugus, on va gagner cette saison. Vous savez. Voilà ce que je pense, moi, de votre totem. Non, cours. Moi et Gugus, on gagnera cette saison pour se venger de la destruction de notre totem, hein, Gugus? C'est vrai que là, ouais. Non, mais c'est... le bloc de diamant est impossible à détruire. Il y en a qui ont auto-détruit leur totem, mais nous, c'est même pas nous qui l'avons détruit. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-nous notre avis. Non, ce n'est pas crédible. Donnez-nous votre avis, plutôt. Ce sera plus intéressant. Et je vous dis et à bientôt pour le premier épisode. Pourquoi t'invoques des vaches avec des champignons? J'aime bien. Bref, à bientôt. À bientôt. Et à bientôt pour le. Mais tu les brûles en plus. Mais. C'est pour le fuck, ouais. Ciao, tout le monde. C'est bon, tu coupes.